Y'a quelqu'un? Oh. Ah. T'étais passé où? C'est toi, t'étais où? Ils étaient plusieurs. Y'en avait une dizaine. Hey, écoute, ils étaient à deux doigts de me mordre. Heureusement, j'avais cette arme pour me défendre. C'est pas avec cette arme de fiotte que tu vas pouvoir tuer du zombie. T'inquiète pas, ça fera l'affaire. Et même si ça fait pas l'affaire, j'ai quelque chose à te proposer. Bon, je crois que ça filme là pour notre YouTube. Les zombies peuvent arriver hyper vite par derrière. Qu'est-ce qu'on va faire? On va leur expliquer. À tous les internautes qui nous suivent sur YouTube, on a quelque chose d'important à vous dire. On voulait vous parler de State of Survival Zombie War. C'est un jeu de survie et de stratégie sur le thème des zombies. Et bien sûr, il est disponible où? Sur iOS et Android. Je sais que c'est pas le moment de parler de Pâques, mais pour Pâques, ils mettent en place un événement où vous pourrez avoir des avantages uniquement sur cette période. Comme on vous a dit, c'est un jeu sur le thème de zombies. Vas-y, dépêche-toi de leur expliquer, ils vont arriver. Là, vous allez vous demander comment ils sont arrivés là. Tout ça, c'est à cause de Clean. Clean, c'est un type qui a créé sa société et a tout juste terminé sa recherche de l'arme mortelle. C'est à cause de lui qu'il y a une catastrophe sur le monde entier. Vous, vous êtes un survivant de tout ce bordel et il va falloir vous accrocher. Reconstruire votre maison, combattre l'ennemi, les hordes de zombies et mettez fin aux recherches de Clean et ses associés afin de sauver l'humanité de cette catastrophe. Dans State of Survival, c'est pas du tout comme tous les autres jeux de stratégie. Vous pouvez explorer des zones totalement inconnues et vous battre contre des hordes de zombies. En plus, l'histoire du jeu est vraiment intrigante. Dans le jeu, vous avez énormément de twists et de retournements de situation. Si toi, tu aimes les jeux de théorie, c'est sûr que tu vas adorer le jeu. Et en plus, si vous téléchargez le jeu grâce au lien dans la description, avec l'événement de Pâques, vous avez une chance de gagner une des 20 cartes cadeaux Amazon d'une valeur de 50€. Faites vite, ça dure que 14 jours. Il vous suffira simplement de passer le niveau 6 pour avoir une chance. Et d'ailleurs, n'oubliez pas dans le jeu d'utiliser notre code créateur pour obtenir un pack de démarrage qui contient énormément de ressources. De l'XP, un héros rare et 300 biocaps. Par contre, c'est limité. Premier arrivé, premier servi. Allez, on retourne au combat, ils sont là! Un, deux, trois. Wesh la famille, c'est Adem et Bilal, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bon, la famille, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le meilleur pas. Le meilleur pas, ouais. Ouais, voilà les refs, le meilleur pas. Le meilleur repas du ftour, du ramadan, frère vs sœur. On va être contre Leïa et Kayla, comment allez-vous? Très bien, fatigué, mais ça va. Toujours fatigué, toujours schlag. Je viens de me réveiller. C'est vrai qu'on vient de se réveiller, j'ai la tête dans le fiacos, moi aussi. Du coup, les refs, moi je fais équipe avec Adem. Donc voilà, dites en commentaire, team A et B, c'est eux qui vont gagner. Comme d'hab, de toute façon, on est des cuistots. Et elle, de toute façon, même si les femmes cuisinent à son âge. Cuisine. La Bilal, qu'est-ce qu'on va faire? Elles vont rester ici, puisque elles vont faire le ménage pendant que nous, on va aller faire les courses. Voilà, avant préparer la cuisine. Tout bien carré comme non, ça c'est faux. C'est faux. Je vais totalement les bronzer. D'où? Ok, mais après au fourneau. À la fin de la vidéo, c'est ménage. On verra. Combien de pouces bleus il y a avec Kayla là? J'irai, je sais pas moi, 50 000. 70 000. Ouais, elle, toujours plus. Toujours. Allez. Plus. Bon, les refs, on compte sur vous, 50 000 pouces bleus. Et puis voilà, en espérant que vous allez kiffer le concept. Abonnez-vous à la chaîne, c'est pas encore fait. On vous laisse à la vidéo. Bon visionnage, c'est parti! Bon la famille, le taxi il est là. Ok, il s'est barré, j'ai pas compris là. Il a clairement mis un coup droit. Allez les refs, on va aux courses. Ah j'ai faim là. Bon la famille, on a pris tout ce qu'il nous fallait avec Adem, mais je vais devoir appeler Leïa parce qu'on n'a pas du tout ce qu'elles ont besoin. En fait, elle donne tout nous dire au téléphone. Comme ça, après, on repart en magasin et on achète pour elle. Juste avant, regardez ce que j'ai vu hier. C'est pas, j'avais dit, ouais, y a pas de sauce, tout ce qui est barbecue, sauce algérienne et tout, y a pas en Turquie. Y a pas au resto. Non, bon, je savais pas qu'il y avait en magasin, frère. Regardez les refs. Regardez, là, y a la sauce ranch, trop stylée. De la sauce cheddar. Sauce cheddar, Haji sauce, buffalo, les refs. Voilà, c'est un taureau. Après, regardez, curry à la mangue. J'en ai pris quelques-unes, on va tester. Allô? Oui. Bon, là, on est au supermarché, t'as besoin de quoi? Feuilles de brique, surimi, kiri, curry, persil. Ok, vas-y, écris-toi un message et on prend tout. Ok, je vous envoie ça. Vas-y, plus vite que ça. Au boulot, allez hop, cuisine, on arrive. Tais-toi, chute, je m'en fous. Elle a raccroché.
franchement, la famille, trop gentille, les taximans, tout ça, parce que, enfin, je sais même pas si ça se dit taximan, parce que en gros, il nous a aidé à ranger les courses dans le coffre. Bah, en même temps, on le paye. Ouais, mais non, on paye la route, il est pas payé pour faire ça. Ouais, mais un peu d'humanité quand même. Tu vois que t'as plein de sacs, aide. C'est trop un gros rat, lui. Là, on est dans un endroit éclaté, mais attends, c'est sympa en fait, j'arrive pas à le décrire. On est où, Adem? En fait, on est dans un endroit trop bizarre, il y a plein de matériaux partout, parce qu'on a la recherche, tu sais, des trucs pour les tagines là, marron. En gros, c'est le plat qui va nous servir pour notre dîner. Ouais, pour ce soir. Et on en a besoin. Si on en trouve pas, le tagine, je vais le faire où? Je sais pas, on cherche. Et la famille, même le taximan, il cherche avec nous. Voilà, c'est trop un bon. Bon, les refs, je voulais faire un géant plat de tagine, mais j'ai pas le choix de prendre 4 petits. Et c'est tout aussi beau, c'est stylé, c'est mignon, c'est parfait, on prend ça. Comme ça, on en aura un chacun, les refs. C'est des plats en poterie comme ça, c'est stylé. Adem, on a payé ça combien? 3 euros. Je suis choqué. L'autre boutique, la famille, ils nous ont dit combien? 70. 70 euros et là, 4. J'ai pas compris. Vous savez, hein, même les courses qu'on a fait, on en a eu pour 75 euros seulement. Je vous jure, ce sera à Carrefour en France, il y avait minimum 200 euros. Sans blague, genre vraiment. Bon, la famille, on est à la villa, on est de retour. C'est nous, on est en cuisine. Après, ce sera les sœurs, parce que leur truc en fait ça demande du temps. Si elle le laisse au frigo après, et ça va prendre trop de temps après. En fait, les meufs elles foutent la haine là. Pourquoi? Parce que elles veulent commencer en première alors qu'ils savent pas s'organiser. Moi je leur ai dit, on commence en premier, comme ça pendant qu'elles font leur bouffe, moi j'irai à la piscine parce que ça y est là, je suis fatigué, j'ai envie juste aller faire les courses. On fait le ramadan, ça met KO, on est d'accord? Ouais, là t'es dame, je suis éteint là. Bon, alors les refs, nous qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, l'entrée, je vais préparer des durum. Des durum, qu'est-ce que c'est? C'est avec du pain taco, c'est une petite recette, vous allez voir de toute façon comment je vais faire. Après, le plat résistant, c'est Adem qui s'en occupe. C'est un jeune tagine, frérot. Façon maroco-turc. Ouais, voilà, un peu des deux, parce que le récipient est turc, mais l'intérieur est marocain. Voilà les refs. Et après, le dessert, il n'y a pas de dessert. Il n'y a pas de dessert, puisque c'est de la triche, on va pas en acheter un. Hein. Mais on va faire une boisson. Je vais préparer une boisson, un milkshake, banane fraise, bien beau gosse, vous verrez de toute façon. On y va, t'es prêt? La team A et B commence en premier, let's fuck! Bon, là, il lave les tomates, les refs. Viens, on s'aide, on s'entraide, mon ref. Non, quand tu fais un tagine, quand tu fais de la bouffe, genre, casse-toi. On est ensemble, je sais, mais toi, tu vas faire l'entrée et le dessert. Moi, je fais le plat. Tu fais deux trucs, je fais un truc. Tu veux vraiment t'en occuper du début à la fin? En fait, toi, tu vas... Ok, vas-y, fais-le, il veut pas de moi, il fait le blédard, là, faire des tagines. C'est quoi, toi? Va prendre du plaisir, va bronzer pendant que je fais ça, mon gars. J'en connais un qui coupe les oignons, qui a pas tardé à chialer. Là, je sens, ça commence à monter aux yeux, mon pote. Bon, les refs, on va commencer par quoi? Les trois oignons ici présents, je vais les mettre en bouillie à l'intérieur de mon récipient. En tout cas, ils se foutaient de la gueule des filles, ouais, cuisine, allez hop. Cuisine, allez hop. Ouais, aussi, mais c'est pas grave. Elles vont s'occuper de débarrasser à la fin. Vas-y. Faut le démarrer comme ça, et après tu le haches. Comment c'est satisfaisant, regardez les refs. Et voilà. Ah, ça donne envie de tout déchirer. Oh là là, c'est satisfaisant. Il est en train de chialer, les refs. Ah, ça le baltringue, gros. Là, il y a toutes les meufs qui vont dire, vous avez vu ce qu'on subit? Bah, fais pas d'oignons. Bah, toi, tu fais quoi, là? Ouais, mais pour les meufs qui se plaignent. C'est ça qui donne tout le goût, les refs. Wesh, il est en PLS. Ah, s'il vous plaît, arrêtez. T'as vu comment c'est dur, la cuisine? Oh, putain. Alors, on pleure? Oh, mon petit chou à la crème beurre salée. Allez, hop, cuisine, mon petit chou à la crème. Oh. On n'a pas l'habitude de la cuisine. Allez, hop, cuisine. Chut, après, ça à vous. Ouais, je pleure, j'assume. Je suis une baltringue, je fais des oignons, tout le monde pleure, en fait. Même les mecs comme ça, ils pleurent, frère. Du coup, la famille, on a découpé des poivrons, des gousses d'ail. Putain, encore des gousses d'ail, comme si on puait pas assez de la gueule. Vaut mieux aller jusqu'au bout des choses, comme ça, ça sent le chacalito dans la bouche. Bon, regardez les refs, il a coupé les tomates, ça fait du jus de tomate. En fait, ma mère a dit, si, c'est ça. Bah, vas-y, on verra. C'est bon, wesh. Elle a l'habitude de cuisiner, elle sait faire. En tout cas, tout ce que je retiens, c'est que Bilal ne cuisine absolument pas. Mais tu vois, elle me dit, allume la caméra pour dire ça, frère. Au nom de Dieu, je vais faire les durum, je veux faire le milkshake. Comme toi, wesh. C'est tout, le plat principal, c'est quoi? C'est pas toi qui le fais là? Mais voilà, c'est pas moi, mais. Ça y est, je l'aide. Je l'aide. Tu l'aides en quoi? Je coupe la caméra et je le fais. Espèce de gros mytho. Vas-y, casse-toi, frère. Qu'est-ce que tu déranges dans ma cuisine? Ouais, en plus, t'es en train de voir ce qu'on fait. Mais je sais déjà ce que tu fais. Tu fais un gros mélémen, frère. C'est pas un mélémen, tu vois. Tout de suite, ça taille. Pour la peine, c'est Léa, c'est pas nous, on va juger. C'est les abonnés Insta. Ok, le goût, on le note. Le goût, on le note et l'aspect, c'est les abonnés. Sur Instagram, c'est bon? Si tu veux. Alors, les refs, tout à l'heure, Léa l'a dit mélémen. Mélémen, putain, le nom chelou.
En gros, c'est des œufs. En gros, elle l'a taillé, elle a dit, tu fais une omelette, quoi. Tout simplement. Une omelette à la tomate éclatée, genre, à l'eau. Mais en vrai, c'est bon, je sais pas pourquoi elle dit ça, parce qu'elle aime pas les œufs, elle. Bon, les refs, Léa et Kayla commencent parce qu'on a pas le temps, sinon on pourra pas manger à l'heure pour le tutu. Je commence avec mes petites aubergines. Bon, elle sert à rien, hein. Ouais, des œufs comme ça. Toi aussi. Moi je sers pas à rien, t'inquiète. Je servais à rien tous les deux. Alors ça cuisine fort des deux côtés. La team A et B, la team L et K. Les oignons, la toulkiche, elle regarde frère, c'est quoi ça? Elle fait des aubergines les refs, c'est éclaté au sol. Nous on est là, on fait des trucs bien, elle a fait des aubergines. Tu fais des omelettes. Quelle omelette frère, y'a pas d'œufs, je sais pas ce que tu me racontes. T'inquiète. Les œufs c'est à la fin, les œufs. Je vais prendre mes jeunes poivrons frérot, hop là. Oh là là, il y a plein de couleurs alors que là-bas c'est noir, c'est dégueulasse. Bon, Léa, elle a entrecorché des aubergines. Et ça, on va les mettre directement au four. En fait, elle se prend pas le chou, elle. Elle prend des. Est-ce que j'ai fini? Non, mais c'est claqué. Est-ce que j'ai fini? Tu fais des œufs, t'es en train de faire revenir des oignons. Waouh! Mais toi, Ria. Non, mais chut, tu mets. Elle met juste de l'huile d'olive et après elle met au four. Mais est-ce que j'ai fini? Chut. Et toi, tu prends des poivrons, tu les casses, qu'est-ce que tu racontes? Bah, en fait, on peut dire ça pour tout. Bah, toi, en fait, tu prends de la viande kebab. C'est Tu prends de la salade, des tomates, des oignons et tu fais un bon sandwich. Bah frère, c'est de la bouffe à un moment donné. Eh la famille, je sais pas du tout ce que Léa prépare. Elle veut pas nous dire ce qu'elle prépare, elle fait trop zama recette secrète. Mais en tout cas, ça a l'air claqué. D'ailleurs, c'est nous on a fait les courses, hein. Donc tu dis que ouais, Bilal il faut rien. Déjà, juste les courses, c'est chaud. Y'avait papa avec toi, c'est bon. Ta mère, toi aussi, dit ça. La meuf, elle habille en carotte, frère. Y'a pas de carotte, hein. C'est super drôle. Bah ouais, c'est drôle. Vous avez 12 ans, quoi. Ah, excuse-nous, la meuf, elle en âge de se marier, elle est encore là. Elle veut pas partir, les refs. C'est pas moi. Oh vas-y frère. Eh hey, la tête de maman, c'est une mytho. Oh putain, je te jure. Non mais vas-y, arrêtez, ouais, je fais pas ça. Eh hey, c'est vraiment une recette qu'on a forcée avec les oignons, voilà. Ceux qui cuisinent avec les oignons, ceux qui cuisinent sans les oignons, pardon, ils savent pas cuisiner. Parce que c'est vrai que dans la cuisine, l'oignon c'est la base de tout. Oui c'est vrai, ça donne du goût. S'il y a pas d'oignon dans un plat, c'est nul. C'est comme une meuf. Qu'est-ce que tu racontes? Écoutez-moi. S'il y a pas d'oignon dans une meuf, c'est bizarre. Non c'est pas ça. Si elle fait pas à manger et elle fait pas la vaisselle et elle fait pas le ménage, c'est pas une meuf. C'est comme si je disais si un mec il est pas fort au foot, c'est pas un mec. C'est ridicule. Ouais, chaque mec doit être très fort au foot. Non. Et en bagarre surtout. Et en bagarre aussi. Bah t'es éclaté en bagarre. Non, je suis pas éclaté. Je t'ai éclaté la dernière fois. Il est fort que. Non, attends, t'as oublié, je t'ai jeté dans la piscine. Ah voilà. Wesh, comment elles sont petites. Voilà les refs, on a deux hobbits devant nous. C'était pas. Non, c'était nul. Mise en place de la préparation de soupe. C'est pas de la soupe, regardez. Il y a plein de tomates au bout. Il va faire une attaque, c'est bon, je rigole. Du coup, Adem, tu vas prendre la soupe, tu vas la mettre dedans. Vas-y, bah regarde. 1, 2, 3. Magnifique soupe. C'est magnifique. La tête d'homme, c'est incroyable, je l'ai réussi. En vrai, c'est du compoté de tomates, c'est stylé. Mais en fait, on est ensemble. Pourquoi tu me tailles? T'es con ou quoi? Non, mais c'était tentant. C'est pas... de la soupe, je m'en bats les reins. Bon, du coup, ça donne ça. Magnifique ratatouille. Ça ressemble à de la jeune ratatouille, mais en fait, vous verrez à la fin. Toujours, mais en fait, il cherche des excuses. C'est une ratatouille. Mais c'est vrai, en fait, on est quatre à manger, on n'est pas tout seul. Y'a rien. Du coup, on est 40, lui. Kayla, qu'est-ce que tu dois faire, toi? Bah là, je vais aplatir du pain de mie, voilà, pour faire des bourrons. Wesh, doucement le sel. T'inquiète, c'est jamais assez. Comment tu y arrives, toi? Bah oui, c'est facile. Kayla, étale les puces, t'es en train de les caresser, là. Oh. Voilà, appuie un peu plus fort. Tu fais quoi, là? Là, je fais les boulettes, puisque dans les tagines, les meilleurs trucs, c'est les boulettes de viande, de kefta. Et après, je vais les disposer là-dedans, et voilà, quoi. Tu les fais cuire tout seul avant, avec le beurre? Ouais, et après, j'ai juste à les mettre dedans. Ok. Ça fait 3 heures, elle a mélangé des oignons et de la tomate. Elle m'a taillé, mais elle fait que des oignons, elle. Elle a mis de l'herbe dedans, j'ai pas compris. Ah, on dirait des jeunes vers de terre. En vrai, c'est flippant. J'espère que c'est halal. Ah, Zahma veut mélanger. Occupe-toi de ton pain. Fais tes boules, toi. Ouais, je fais mes boules. Putain, là-bas, ça a du mal juste à couper les contours de pain de mie. Regardez les boulettes de bolognaise. Elles sont magnifiques, frérot. Et ici, qu'est-ce que tu fais, toi? Ben, moi, voilà, je mets du cheddar et du salami. Voilà, de la charcuterie turque. Okay. Et on enroule tout ça. En fait, vous faites des roulés. Après, vous les mettez ici. Ouais, c'est claqué. Regarde ça, c'est mou, ça. C'est quoi, ça? Je sais pas, j'ai plein de vers de terre embrouillés, des. Je sais pas. Qu'est-ce que ça fait par là? J'écrase mes aubergines. Ok. Ça donne pas envie. Dégage, tu sers à rien. Mais fais trop la mec. Hey, calme-toi. Tes vieilles aubergines toutes claquées, alors on dirait de la crotte de nez, frère. Oh là 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 là, c'est beau gosse que Léa l'a fait, j'ai parlé trop vite. Tiens, mes aubergines, nanana. Elles sont belles, mes aubergines. Bon, du coup, ça, c'est une farce de viande, les refs. Ça a l'air délicieux, vraiment. Là, pour eux, là, je fais même pas le mauvais joueur. On verra à la fin, parce que j'avoue que là, on est quitte en vrai. Bon, vas-y, c'est à moi là, faut que je commence quelque chose. J'ai envie de faire mon douloum. C'est parti, Adèle, tu me filmes. Bah, j'ai pas fini. Ça y est, ça sert à la fin tout ça. Ça, c'est le dressage. Non, c'est cuit là déjà en fait. Ferme ta gueule. Mais tu peux aller manger une date, tu peux. Tiens l'oignon, frère. Vas-y. Ah. On va ajouter le fromage râpé. En fait, c'est du fromage, les refs, il a appris à râper. Bilal, arrête.
arrête, okay. Arrête. Juste contente-toi de filmer. Regardez-moi, je vais commencer à faire ma jeune monture. Ah mais wesh, il a fait de la soupe, c'est un potage. La vie de ma mère, tu verras. Ça, ça a l'air délicieux ça, les refs. Bon, les gars, ça part au four, ces aubergines. Et toi, c'est la chapelure, enfin. Roy, oi, oi. My soup. Bon, la famille, pendant qu'ils cuisinent, regardez, je vais me faire plaisir. Ça va aller dans la petite piscine. Moi, je ferai après mon petit smoothie pour l'instant. Moment détente pour Bilal, je suis fatigué. Voilà, la journée, elle était longue. J'ai au moins besoin de ça, quoi. Allez, j'y vais. Oh, c'est froid. Ah, c'est froid. Ouh. Au nom de Dieu, c'est impossible, je sors. C'est bon. C'est froid. Oh, ça fait du bien. Bon, les refs, je profite de la piscine. Attention, les refs, Kayla s'est mis à couper tous les morceaux. Elle est en train de faire un jus d'orange avec des jeunes fraises. Ça va être hyper bon, enfin, j'espère. Elle a déjà fait ça. Allez, au travail, je continue. Ici, bah, ils ont fait cuire du coup les trucs avec les pains de mie. Ça fait un truc croustillant. Bon, du coup, elle a fait les croquettes, c'est bien. Bon les refs, là faut que je me dépêche parce qu'il est 19h et on mange à quelle heure, Adem? On mange dans 22 minutes en gros. Voilà, du coup, faut que je fasse mon smoothie. On a les fraises, les bananes. Et le lait. En fait ça c'est du lait à la vanille. Je me suis dit ça va rapporter du goût. Par contre, est-ce qu'il y a du sucre? Ramène-moi du sucre. Du coup les refs, j'ai le récipient. On va mettre tout dedans. Les bananes, c'est parti. Après, c'est les fraises. Du coup les refs, je coupe les fraises en deux, je les mets à l'intérieur. C'est parti, on va en faire pas mal. Là, on va renverser le lait. Putain, c'est pressant là, j'aime pas les trucs comme ça. Mais jusqu'à où, Adem? Et si c'est encore trop épais, tu remets du lait. Ok, ça c'est du sucre ou du sel? C'est du sucre, j'en mets un petit peu. Faut pas que ce soit trop sucré, j'ai peur, donc je m'arrête là. Après, bah c'est parti les refs, on va mélanger. C'est parti, 1, 2, 3. Regardez ce que ça donne, c'est incroyable. Magnifique. T'as vu la couleur ou pas? Ça, pour être hyper stock, c'est incroyable. Ça colle, c'est des fruits. Du coup, j'ai 4 verres, je vais les remplir. On y va. Ça a failli partir en sucette. Ok, c'est n'importe quoi comment je le verse, mais ça verse quand même. Un verre. Putain, il y a que 2 verres, sa mère, il y a rien dedans. 2 verres. Adem, est-ce que tu peux me ramener des glaçons ou pas, s'il te plaît? Je les ai oubliés. 3 verres. Et 4 verres, la famille. Pile poil 4 verres. Oh là là, c'est incroyable. Tiens. C'est parti, je vais mettre les jeunes glaçons. Merde, je l'ai cassé. La caution. On va en racheter un, ça. C'est trop mal foutu aussi, là. Pas le choix de faire avec la force. Ok, je mets 3 glaçons par verre. Ça va être beau gosse. J'ai pas filmé les refs, mais regardez, j'ai fait une chantilly fait maison. On va clairement la poser dessus. Oh, yo, yo. Bon, la chantilly, dommage, elle tient pas plus. Là, ça fait un peu effet bouilli. Surtout qu'on mange dans 10 minutes, alors ils vont être tout fondus. T'inquiète, ça va le faire. C'est l'aspect qui compte, mais là, ça compte, là. Regardez. Faut que je leur filme après. Ça, c'est Magic System. Regardez, j'ai pris des petites billes comme ça au chocolat et je viens les dispatcher magnifiquement sur mes petits smoothies. Oh là là, ça va être beau gosse. Bon, je termine ça. T'as vu ou pas comment c'est beau gosse? C'est magnifique, on dirait un gâteau d'anniversaire. Regardez les refs, c'est incroyable, je suis trop fort. Tu fais quoi? Bah, je verse mon joli smoothie. Et Léa a rajouté des pommes de terre. Eh, je vous jure, on dirait quoi? On dirait du jus de tomate de tout à l'heure à Adem. Est-ce qu'on en parle de ton smoothie ou pas? Il est incroyable, wesh. Il est magnifique, y'a rien à dire, regardez. On dirait des boules de crotte d'écureuil dessus. Non, pas du tout, on dirait juste du vomi, frère. Les gens ne comparent pas la bouffe avec du caca déjà. De toute façon, y'a que les abonnés qui diront réellement ce qu'ils en pensent. Eh, la famille, j'ai trop le seum. J'ai même pas eu le temps de faire mon durum. Ouais, mais en même temps, il est trop lent. J'ai trop le seum, c'était incroyable, c'était un petit sandwich turc là. Bon, du coup, la famille, la dégustation de ce qu'on a préparé avec Adem. C'est quoi le nom, Adem, de ton repas? Il a pas réfléchi à un nom. C'est vrai qu'il faut un nom dans un resto. Je sais pas, frère, le Maraja. Ah. Moi, j'aurais dit le Turkish oriental. C'est claqué au sol. Ah, Turkish tagine. Ok, ah bah oui, parce que les tagines, c'est rebeu. Okay. Et là, il a dit Turkish tagine. Le seul truc, franchement, que là, je vois, là, comme ça, ici, c'est qu'il a pensé à moi et il a pas mis d'œufs. Ouais, parce qu'elle aime pas les œufs. Et tu vois, ça, c'est un point en plus, normalement. Il a pensé à moi. Oui, ça, j'avoue, ça, c'est un point en plus. Un demi-point. Parce qu'au resto, ils mettent pas les trucs que t'aimes pas, c'est direct ça, après tu fais le tri. Là, j'ai un truc à dire, vous notez juste le goût. Juste avant, tu vas faire une petite story Insta, on va leur dire comment ils valident le repas. Okay. Genre combien ils notent. Et la famille, il faut savoir que j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, j'ai juste fait un smoothie. Pour la première fois, c'est Kayla qui a plus bossé que Bilal. Là, je parle pas, j'ai fait 4 heures. Le smoothie, et j'ai rangé des fois la table. Bref, ça va refroidir là. Vas-y. Allez. Bon, bah, c'est quand vous voulez, vous pouvez goûter les filles. Normalement, c'est avec du jeune pain, mais bon. Mais non, là, pas le jeune pain. C'est comment, Kayla? Wow. Oh là là, je suis trop fort. Bah, on est trop fort. Non, là,
la tête d'homme, je suis trop fort. Toi, t'as rien fait. Toi, eux, ils vont noter ça sur toi. Adem, c'est hyper bon, il manque juste un truc. C'est du pic. Bah, du pic, il y a des piments là-bas, va en chercher. Tiens, je te le ramène, frère. Tu veux du pic, il y en a, c'est la maison. J'avoue que c'est terrible. Ce qui manque aussi, c'est un petit peu plus de viande. Bah, après, je me suis dit, la base, c'est un tagine à base de tomates, pas de viande. Et est-ce que nous, on peut goûter quand même? Regardez la famille, on va goûter. Adem, goûte ce que t'as produit, frère. Attends, je regarde Insta là. C'est incre, j'aime trop. Oh là là. Moi, je préfère avec l'œuf. Donne ton assiette. Du coup, là, vous avez mangé un petit peu le plat. Est-ce que vous notez le plat sur 10 et après la boisson ou juste un entier? L'ensemble. Ouais, un ensemble. On va faire comme sur Insta, on va faire un ensemble. Ok, Adem, je goûte avec il les œufs. Bon. Oh, c'est une tuerie les refs. La tête de ham, je suis trop fort. Il manque pas de sel, c'est parfait. Juste, j'avoue, elles ont raison, pour un truc assez piquant, ce serait pas mal. Ok, c'est validé par Léa. J'ai hâte de voir les notes. Regardez comment ça se présente à l'intérieur. C'est stylé, hein? Oui. Et Léa, attends. Ah, bah, au pire, c'est bon, on n'attend pas Adem. Goûtez le smoothie, vous me dites les notes. Qu'est-ce qu'il y a? Mal aux dents. Ok, elle a mal aux dents. Vas-y, Kayla, goûte, tu nous dis, toi. Tu ressens le goût de la fraise et des bananes. Et avec les bits de chocolat, c'est bon. Wesh, l'enchaînement de bits de chocolat, genre. Elle a pas compris, genre bits de chocolat. Les bits de chocolat. Oui, bah. En ensemble, dis bits de chocolat. Les bits de chocolat? C'est bizarre. Oui, j'avoue, c'est chelou. En fait, quand tu le dis, je sais pas, mais quand tu le prononces, c'est bizarre. Bon, bah, du coup, mon smoothie, c'est comment? En fait, je sais pas, je suis mitigée. Arrête, non, arrête. Attends, attends. C'est bon, sauf que ta chantilly, elle est quasiment pas sucrée. Oh, c'est... Ah, le sucre. J'ai pas pris le sucre dans la chantilly, j'ai oublié. En fait, du coup, c'est sucré là, mais là, j'ai l'impression de boire une crème fouettée, quoi. Mais sans sucre. Adem, j'ai carrément oublié le sucre sur la chantilly. Ah, ça veut dire que c'est un goût yaourt nature. C'est ce qu'elle vient de dire. Moi, je sens plus la banane que la fraise. Ok, bah j'ai mis plus de banane de toute façon, c'est pour ça. C'est parfait. Il est incroyable. Il est bon, j'ai jamais dit qu'il était pas bon, c'est juste qu'il est pas sucré. En fait, ça manque de sucre du coup. Pour un truc qui est censé être hyper sucré, c'est pas sucré. Mais ça y est, après on va avoir le diabète. Non mais Didi, le mec hyper ultra sport là, vas-y, son avis compte pas. Moi c'est pour ça que j'ai fait ça, c'était pour vous. La tête d'homme, moi, je mets 9,5 sur 10. Ok, c'est juste pour smoothie. Mais ton repas, toi tu me notes combien ton repas? En vrai, la totalité. Moi 8 sur 10. Et moi toi? Je mets 8,5. Ok, Léa. Franchement, je suis vraiment déçu. Hein. Pour ça là, j'ai le seum. Je mets un 7. Ok. Note pas ça. Toi et Kayla, vous notez vraiment l'ensemble? Bah oui, 7. Pour 7, l'ensemble. Ok, et toi? 6,5. Non! Moi, l'anti-jeu, gros. Non, bah, même non. Elle y croit pas, wesh. 6,5, parce que moi, j'ai. Bah, je m'en bats les roches, moi. C'est vrai que j'aime savoir. Pas trop les bananes, alors je sais très bien. Bah, elle aime pas les bananes, je sais pas ce qu'elle raconte. C'est pas question de pas aimer, c'est question de respect par rapport à ce qu'on a fourni. Et en plus, elle a fait une note juste pour une banane. Enregistrez bien tout ce que vous dites, parce qu'il faudra pas le retranscrire sur notre truc à nous. Ah ouais? Non, on va être objectif, nous, pas comme vous deux. C'est carré, ça à nous, les roches. Bah, attendez, les amis, j'ai pas goûté le smoothie. Elle a totalement raison pour la chantilly, y a pas de sucre. Je vais être honnête, hein. Mais le smoothie en lui-même à l'intérieur, il est incroyable. Il est onctueux, rien à dire, il est trop bon. Juste la chantilly sur le sucré, c'était bien. Oh, yo, yo, la famille, c'est à notre tour de manger leur assiette. Ça a l'air magnifique. Enfin, déjà, c'est beau, j'avoue. Au niveau de l'aspect, c'est pas nous, on note, c'est les abonnés Insta. Story, les refs. Moi, j'ai trop faim, je mange. Attends, si on devait noter juste moi, personnellement, c'est vraiment un bon 8. Moi, franchement... 7. Franchement, c'est trop beau, ça a l'air trop bon. Tu sais pourquoi 7? Parce que c'est un peu carbonisé le tout, quoi. Donc là, il y a des potatoes, aubergines. Guylaine, les abonnés Instagram, ils ont noté l'aspect de notre plat. 1113 personnes qui ont dit que c'était beau et 70 qui ont dit que c'était pas beau. En 15 minutes. Ok, on verra Léa et Kayla sur 15 minutes. On va commencer par le jeune smoothie. Attendez, frérot. Il faut le touiller avant. Ok, on va mélanger. Déjà, on est à Miami Beach. C'est moi qui l'ai fait, hein. Là. Ah, c'est un détox, il y a pulpe. Au niveau du goût, il est terrible. Mais malheureusement, la preuve que le goût ne fait pas aussi l'aspect. Parce que, qu'est-ce que je raconte? En fait, il y a trop de pulpe. On veut parler jardin comme ça, on sait pas parler. Vous savez pourquoi il y a trop de pulpe? Tout simplement parce que c'est du pur fruit. Moi, j'aime pas. Enfin, non, en vrai, le goût, il est bon. Ouais, en fait, Kayla, franchement, c'est claqué. C'est qui a eu l'idée? Moi. Bah, c'est claqué. Oh. Bah oui, comme par hasard, quand c'est moi. Mais vos fraises, elles ont un goût de fromage. Mais qu'est-ce que tu racontes? On a eu les mêmes. Au niveau du goût, les refs, moi, je mets 5. Moi, vas-y, je vais être genre. Ouais, 5. Ouais, c'est la moyenne. La tête d'homme, on n'est pas des yens. J'ai rien dit du tout. J'ai même pas noté le smoothie tout seul, moi. J'ai noté tout le plan en entier. 5 pour la participation. Allez, pas yens. Ok, vas-y, au pire, on va noter tout en même temps. Vas-y, j'avoue. Vas-y, c'est parti, on va goûter. Je vais goûter les potatoes avec la jeune sauce. C'est la sauce cheddar que j'ai acheté tout à l'heure. J'aime bien. En fait, elles se sont pas foulées, frère. Ça coupe des pommes de terre, ça fait des potatoes. Le mec, il ose parler alors qu'il a rien foutu. Hein. Y'a ça qui me donne fort envie. Ça, c'est vraiment fait par Léa. C'est ça qu'il faut juger vraiment, genre. Aubergine farcie au fromage. Bismillah. Ça, validé. Incroyable. Dommage juste, c'est froid, mais c'est chaud, ça doit être méchant. Ce qu'on a attendu, les refs, c'était compliqué. Mais en tout cas, Léa, incroyable. D'habitude, je suis pas trop légumes, mais là... Maintenant, je vais goûter ça, là. Bismillah. Regardez. Ça, c'est les croquettes qu'on voit sur Insta, là. Ah, c'est croustillant.
Ça mange des sauces. Ouais, j'avoue, c'est un peu sec. Oh, je sais ce que vous avez oublié dedans. De la crème liquide ou de la crème fraîche. C'est non. Ça qui va venir. Non, en fait, c'est juste parce que le fromage cheddar, c'est pas du. D'habitude, je mets du fromage à hamburger. Donc, du coup, ça fond bien et ça reste dégoulinant. Alors que là, c'était un fromage type mimolette, un peu trop dur. Et donc, du coup, quand ça cuit, ça sèche. En tout cas, je valide l'assiette en général. Au niveau du goût, en tout, je mets un bon 8 sur 10. La tête de homme, je triche pas. 8 sur 10. Moi, au niveau du goût, je mets un bon 8,5 sur 10. Ok. Comme moi en gros. Donc la famille, on va calculer les notes qu'on s'est mis, additionner aux abonnés. Ah je sais pas, c'est qui le gagnant et le perdant là du coup? Bah on verra au bout de 15 minutes, il y a combien de votes. Que sur Insta ça se joue? Ouais, juste pour la beauté et après pour le goût. Ok, tout de suite les refs, on termine de manger et puis place aux notes, quelle équipe va manger le fameux piment? Ah bon? Ah bon? T'es pas au courant ouais. J'ai l'impression que c'est pas terminé encore pour Adem. Pas fini frérot, je croyais vraiment que j'avais pas mangé le mien. Elle a se force à boire son truc dégueulasse là. Mais tu racontes. Et elle, comme dame, elle mange que des frites, voilà. Bon la famille, c'est le moment des notes, on est tous réunis à table. J'ai les fameux trucs. Alors, pour Adem et Bilal, 1173 personnes qui dit beau et 70 qui dit pas beau, d'accord. Et pour les girls, 1122 personnes qui dit beau, mais 348 qui dit pas beau. On a gagné mon gars. Ah ouais, si on prend... Ah oui, si tu fais l'égalité... homme-femme. Voilà. Et bah ça fait que... On a gagné. Donc, piment. Mais c'est beau. Qu'est-ce que tu me racontes frère? Mais ça c'est vous, c'est vos vidéos. Mais ah ouais, c'est vrai que ça c'est nous, y a le screen. Je sais pas ce qu'il me raconte. Ok, bref. C'est toujours les deux plus petits qui foutent la merde. J'avoue, nous les deux plus grands, on est vraiment trop sages. À croire, elle est fort en maths, elle veut m'apprendre. Alors qu'on est tous pas percés à l'école. Bref, toi c'était juste beau. Oui, je suis juste beau, je sais. Ça a été juste beau. C'est un chien là. Ok, bref. Du coup, c'est quoi le gage, t'as dit? C'est piment. Maman, il loue le piment. Vous êtes mort. Tête d'homme, vous le faites, vous le mangez vraiment. Oh, ils sont là. Regardez les refs. Tiens, Adem, donne-leur. C'est pas ceux-là. Si, c'est ceux-là. Ça, c'est les piments secs. Papa, ils sont les piments pas secs. Ah, oh, vieux mec, toi. Voici les jeunes piments, frérot. Vous en avez un chacun, faites-vous plaisir. Mais imagine, c'est pas piquant. Le mec, il nous a dit choc piquant. Choc piquant. Tu peux y aller, mon gars. Ah, j'ai hâte de les voir pleurer. On a gagné ou pas? Moi, je coupe un bout, c'est bon. Oh, c'est parti. Vas-y, croque vite, toi aussi, c'est en même temps. Allez, en même temps, toi aussi, enchaîne. Enchaîne. Vas-y, mâche, vas-y. Ça va, ça commence par ici. Il pique pas. Me dis pas, il pique pas. Ouais, choc piquant. Ouais. En fait, il nous a guess le mec juste pour acheter en fait. Ça pique pas. Faites des gros crocs aussi. Vas-y, mange. Voilà. Oh. Il est pas piquant. Wesh, elle, c'est une vraie turque, les refs. Ah bah attendez, celui-là alors. Vas-y, goûte-le toi, celui-là. Non, on a gagné. Vas-y, Léa, vu que toi t'es chaud à ça. Ouais, c'est sec, c'est du piment sec. Wesh, elle est déter, Léa. Ah, pleure, regardez la chienne. Vas-y, celui-là. Non, laisse-moi tranquille. Ça a aucun goût, ça, c'est du plastique. Tiens. Non, mais j'ai gagné en fait. Vas-y, viens, on se barre là. Vas-y. Bon, bah, la famille, en espérant que cette vidéo vous a plu, on est les grands vainqueurs de ce dîner. En même temps, c'était sûr, je suis un chef cuistot, je suis chef Raled. Mais leurs abonnés, ils les kiffent trop, enfin, truc de ouf. Bah, encore heureux, moi aussi, je les kiffe. Non, ils vous kiffent tellement qu'ils deviennent absolument pas objectifs. En même temps, ça se voit, un tagine est face à une aubergine, on dirait une crotte de nez. Normal qu'on nous note. On a gagné. Oui, j'ai kiffé, mais c'était la beauté qui comptait, la preuve. On a gagné. Du coup, les refs, maximum de pouces bleus, on se retrouve demain. Arrête, les gars. On se retrouve dans deux jours pour une nouvelle vidéo, parce que maintenant c'est tous les deux jours. Ouais. À demain, gros bisous, merci d'avoir suivi le concept en espérant que vous avez kiffé. Ciao. Ciao.